Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue dans Actu Sport, le rendez-vous sur Radio RG30, c'est l'heure de 100% football avec eh bien le championnat de National 3 et le stade Boquerois qui recevait la réserve du MHSC, une défaite 2 buts à 0 pour les Boquerois, malheureusement qui ne parviennent pas à aller inscrire eh bien du côté de la cage adverse et donc les Boquerois qui malheureusement enchaînent une deuxième défaite dans ce championnat. C'était la 22e journée de National 3. On va partir cette fois-ci du côté de l'OAC. L'OAC qui du coup eh bien allait recevoir se déplacer du côté de Toulon après un déplacement face à Jura Sud. C'était un nouveau déplacement pour les joueurs alésiens et une victoire 1-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à une victoire de l'OAC en National 2. Et ça a été chose faite, même s'il reste toujours 13e au classement et dans la zone de relégation. Versailles se déplaçait du côté du stade des Antonins en championnat de national. Eh bien, les Nîmois qui donc se sont inclinés 1-0. Malheureusement, ben là aussi, pas de victoire. Changement d'entraîneur, on vous l'avait dit la semaine dernière. Et pour le coup, ben, pas de changement. Si ce n'est que les Nîmois sont 14e. Et attention, parce qu'il va falloir être attentif pour la suite. Et notamment, ben, ça passera par d'ores et déjà demain. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur Radio RG30.